Les amis, ça y est, on envoie 2 épisodes par semaine. On a vraiment besoin de savoir si vous voulez qu'on continue à poster 2 vidéos par semaine. Il suffit donc de mettre un like sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos comptes Instagram. Sur ce, bon épisode à tous les amis. Précédemment dans Un Robin Robeux. Tu te fais belle pour qui, Laguna ? J'ai avec Sarah, je t'avais dit, j'avais des partiels à réviser. Eh ben, on va aller voir Sarah. Je suis à la bibliothèque avec Sarah. Bah si t'es avec Sarah, pourquoi je te vois, t'es devant moi. Attends. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mon haga, ces fils de pute. 3 contrats, ma gueule. Oh. Prends du sale par une daronne, elle a 60 ans. C'est le corps d'une daronne, t'es marre, ouais. Donc quoi, c'est ta mère et... ça s'arrête là. C'est une daronne rebeu. Tu crois qu'elle allait le prendre comment? Au moins une fois dans ta vie, fais-moi confiance. Tu veux prendre de l'argent, suis-moi, on va faire de l'argent. Je vais te passer un véhicule dans la soirée. Faut juste que tu déposes une adresse fixe. Est-ce que ça ouvre? Soyez sérieux, on se revoit peut-être la prochaine fois. Allez. Ça a été ou quoi, les gars? Ouais, nickel, hein. Ça a été la route? Ouais, nickel. Au calme, aucun problème. C'est carré. Ça, c'est pour vous. La prochaine fois, il y aura beaucoup plus. C'est carré. C'est carré les rêves! C'est carré les rêves! Oh, c'est comment? Je sais. Oh, vous avez percé les frères, j'étais pas au courant! Ça sort d'où ça? Oh frère, on commence même pas à nous porter l'œil, voilà! C'est pas moi le riche ici, c'est lui là! Ah, c'est pour me saucer! Ouais. Hey, je vais pas vous payer de grec aujourd'hui, les frères! Attends. Quel grec tu me parles? Vous êtes en Mercedes, classe C AMG couleur blanche! T'es en train de me parler de grec, frérot? Non, mais là, parlez-moi de resto, les frères! Il s'est passé quoi, Hassan? Ça sort d'où? T'as signé au PSG, ma gueule? Frérot, c'est une location. Là, Khamsa Feridik, on va faire un accident à cause de toi. Ouais, une location, hein, histoire 2. Histoire 2, tu vois. Histoire 2, comme ça. Ah, les gars, vous me la faites pas à moi, vous avez même pas le permis, frère. De quoi vous me parlez de location? Je sais très bien d'où ça sort, je sais très bien ce que vous faites. Ok? Faites attention à vous, les gars. Faites pas les cons. Vas-y, ma gueule. Vous prenez pour votre petit ou quoi? C'est des ouf, toi. On est cramé avec cette caisse. Mais comment ça on est cramé? Oh, il nous l'a passé 3 jours. 3 jours, ça va changer quoi dans ta vie? Mais t'es sérieux ou quoi? Frérot, toute l'année on est à pied, toute l'année on prend le métro. Oh, on roule avec des rollers de filles, de bnettes. Et là on fait les mecs dans une classe C. Bien sûr que c'est cramé. Mais frérot, t'es stressé un peu. Et t'es trop stressé. Je sais pas, frère, apprécie la vie. On est là, gros gamos, t'es bien habillé, t'es en forme. Eh frère, qu'est-ce qu'on fait sur un parking? Viens, va sur Paname, ma gueule, t'es sérieux ou quoi? Regarde les sièges chauffants que t'as. Vraiment, je vais pas me faire péter uniquement parce que t'aimes bien avoir les fesses chaudes. Voilà, je te dis tout de suite. T'es sérieux là? Tu penses à tes fesses, frère. Je m'en bats le coup de tes fesses. Ah, eh bien, bouge de là, gros, t'es sérieux, regarde ce qu'on a entre les mains. Eh, Hassan, non, sérieux. J'ai fait des sous. C'est niqué. Je les ai refaits. J'ai mis de côté. Est-ce que j'ai mis de côté? Moi, je vais niquer sur un côté. Vas-y, tu me le montres. Eh, viens, on parle, t'es sérieux, quoi? Vas-y, c'est moi. Équipe de merde. Écoute le moteur, écoute le moteur, d'accord. Ben, il y a ton Uber qui a percé. De quoi tu parles encore? Mais réveille-toi, Cyrine, va sur les réseaux sociaux un petit peu. Toi, tu me saoules, hein? Depuis que t'es plus avec ton mec du McDo, ça y est, t'es trop sur les réseaux. Non, mais c'est bon, c'est pas parce que t'as laissé partir ton prince charmant que tu vas t'énerver contre moi. Ok, passe-moi ça. Bah, quoi tu joues, Hassan? C'est mignon. Ouais, et... Cyrine, t'as toujours eu le don de faire ça, hein? À chaque fois qu'il y a un gars qui est bien, tu le laisses partir. C'est pas ça, mais j'avais peur qu'il me fasse du mal et vas-y, à ma mère, laisse tomber son pied. J'irais bien faire un tour dans sa voiture. Hein? Maman? Y'a Anna qui veut que je vienne dormir chez elle. Anna, bah vas-y, c'est pas grave, vas-y avec Anna, va. Casse-toi. Tu viens avec nous? Téléphone. Téléphone.
lunettes, jean, troué, casquette. T'es quelqu'un? Mais frérot, on va pas parler de toi. Regarde ta chemise Versace. La gueule. Guette tes trous dans ton jean. Regarde, y'a pas assez de trous là. Faut en rajouter. Plus t'as trop, plus t'es pété de thunes, ma gueule. Yo, t'as une montre 18 000 carats. Pourquoi tu parles avec moi? Oh, regarde tes lunettes, ma gueule. Juste. Oh, look that, Lenin Jelek. Oh, je vais plus taper W, je vais t'appeler Kara. Ah, W le Kara. Frérot, t'as des lunettes, elles coûtent plus cher que ma voiture. Voilà, j'avoue, là, j'avoue, je suis stylé. Là, par contre, là, on a l'air de mettre stylé. Oh, je suis poufouillé, Bzien. Oh, je suis poufouillé. Oh, Khamsa Khamsa fait rien de comme. Voilà, ma gueule, viens, on se pète. Vas-y, on a d'armes à fêter, viens, on se barre. Mon gars, tout le monde nous regarde, tout le monde regarde ma gueule. Ah là, frérot, dis-moi juste là, on fait quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, on a du bif, qu'est-ce que tu veux faire? Là, attends. Mais on va où tu veux, ma gueule. Vas-y, on est riche. Elle est riche, je suis plus riche que vous. Bam, touche-moi ma gueule. Dans le H, attrape ça. Bon, ma petite gueule. Bon, dis-moi ce qu'est le plan là. J'ai un gros plan d'ailleurs. Vas-y frérot, on va pas faire une livraison. On a assez d'argent comme ça, non? Et pourquoi tu me parles de livraison? Aujourd'hui, c'est toi le colis, frérot. Je t'explique. J'ai un appartement avec deux meufs, on a un gamos, de l'argent, on est frais, on est sur Paname. Viens, on y va, s'il te plaît. Vas-y frérot, pourquoi tu veux me mettre des meufs dans l'histoire, frérot? On va pas se faire michetonner. Pour une fois qu'on a de l'argent, tu veux qu'on se fasse michetonner? Ah non, c'est une blague. Mais non frérot, pourquoi tu veux ramener des meufs? C'est vrai, j'ai assez vu de meufs ces derniers temps comme ça, voilà. Ok, t'es le premier à avoir voulu rentrer une meuf dans notre histoire. Frérot, t'es encore sous ta vieille meuf, ça se voit. De quoi tu parles? Ma gueule. Vas-y, je suis sur personne, frérot, y a... C'est pas parce que t'es... ferme ta gueule, tu dis de la merde. Vas-y, frérot, arrête de me parler de la merde, frérot. C'est pas parce que j'ai pas encore ramené deux meufs que je pense à l'autre meuf, hein. C'est pas ça. Ça se voit, tu mens. Tu te mens à toi-même. Comme par hasard, tiens, je t'avais dit quoi? Parle pas pour rien, s'il te plaît, attends. Allô? Hello, ouais. Ça va? Alhamdoulilah, ça va et toi? Ça va. Tu veux quoi? Ça va, j'ai appelé, je prends des nouvelles. Pourquoi t'es désagréable? Ah, tu prends des nouvelles maintenant? Bah oui, je sais pas. Je vois des stories de toi. Avec plein d'oseilles, je sais pas plus ça. Ah, de l'oseille, donc ça y est, t'as vu des stories de Mac d'oseille, tu reviens maintenant, tu fais ta michetant en fait. T'es comme ça. Non, vraiment pas en fait, c'est juste que je m'inquiète pour toi et j'ai pas envie de t'inquiéter quelque chose. Ah, donc maintenant tu t'inquiètes pour moi. Ouais. Tu m'envoies pas de message. C'est normal d'avoir autant d'argent comme ça. Ouais, tu m'envoies pas de message, tu m'appelles pas, tu me calcules pas et du jour au lendemain tu t'inquiètes pour moi. Tu me fais rire, voilà. Ouais, tu sais pourquoi mon frère. Enfin bon, bref, c'est pas tes affaires, ça te regarde pas. Voilà, donc ça sert à rien de m'appeler, ça sert à rien de parler avec moi, ça sert à rien de faire la meuf qui s'inquiète pour moi. Appelle-moi plus, parle-moi plus. Et ça s'arrête là. Ok. Le H. C'est ça qu'on aime bien. Oh oui. Voilà mon gars. Et balistique. Voilà, t'as vu ou pas? Hein, je t'ai dit quoi frérot? C'est la meuf avec moi. Vas-y frérot. Ah, t'es un homme. Mais allez, viens, on se pète, c'est ma gueule. Allez, on y va. Ah, t'es une galère, tu l'as terminé, c'est ça la Hassan que je connais. Obligé mon ref. Voilà, obligé. Bon, toute cette histoire, ça m'a donné faim. Ouais, même moi, j'ai trop faim. Tu vois là? Voilà. Resto? Zama, t'es chaud? On a le bif maintenant. Ouais, j'avoue, vas-y, on y va. T'es fou. C'est quand même mieux qu'un resto quand même. Un resto à perte. Oh mon accueil, c'est que son nom, ça se coûte, tu vois. Ah, ça tue. Vas-y mon ref, sans toi, on s'appelle. Demain, de toute façon, journée de bâtard. Allez, vas-y. Millionnaire. Ouais, vas-y. Cyril? Bah oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? À ton avis. Vas-y, bouge.
Attends. Vas-y, vas-y, bouge. Qu'est-ce que tu fais là encore? Bah, je sais pas. T'as pas été clair, non? Hein? Tu m'as fait comprendre la dernière fois, c'est mort. Bah, vas-y, laisse tomber, c'est mort. Là, tu reviens comme une fleur, voilà. Céline, attends. Voilà les amis, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous avez kiffé. Rendez-vous vendredi pour la suite. 2 épisodes par semaine. C'est cadeau, c'est rien que pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un maximum de pouces bleus. On enchaîne avec les dédicaces. Grosse dédicace à Belarbi, Yahya du Havre. Orraho Emen de Nîmes, je suis de Ruisset, grosse dédicace à toi. On est ensemble, comme jamais. Shirokov, Anya de Nantes. Donc les amis, si vous voulez votre dédicace, n'oubliez pas de mettre en commentaire votre nom, votre prénom et votre ville. Sur ce, à vendredi pour la suite.